le plus important pour moi, c'est de fabriquer rapidement, régulièrement, pour conserver le moins longtemps possible les produits. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je vous emmène près du lac d'Annecy, enfin dans la montagne. Raphaël Monod-Jostrom. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Normal. Raphaël fut championne de ski, mais un ski assez spécial, le ski de bosse. Et de la bosse à la beauté. Il n'y a parfois qu'un saut que Raphaël a réussi en criant Snow Eternel. Je vous laisse l'écouter nous raconter sa reconversion et pardon pour le son qui n'est pas super quali malheureusement. Gérer les interviews à distance, c'est pas toujours très simple. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Raphaël. Bonjour Chantal. Alors Raphaël, vous avez un profil assez atypique puisque dans une autre vie, vous avez été sportive de haut niveau. C'était quoi votre vie avant Snow Eternel ? Ah oui, alors effectivement, rien à voir. En fait, je suis une ancienne skieuse de haut niveau et j'ai été sensibilisée très tôt aux effets délétères des substances chimiques dans le cadre de la lutte antidopage. Donc, je me suis intéressée très vite aux soins naturels parce que tout simplement, j'ai fait 10 années de compétition de haut niveau, 3 Jeux Olympiques. Et vous faisiez quoi ? C'était quoi votre spécialité ? Oui, je faisais du ski de bosse. Donc, le ski acrobatique est quelque chose de très violent, de très masculin aussi, de très... oui, voilà, de très prenant sur 10 années dans ma jeune petite vie. Donc, voilà, voilà l'histoire. D'accord. Et vous, j'imagine, puisque vous dites que c'est un sport assez violent, que physiquement, ça a dû être assez éprouvant. Oui, tout à fait. Je me suis beaucoup blessée. J'ai eu donc tout de suite l'envie de me soigner de façon naturelle parce que le moindre contrôle me qualifiait de dopée. Un sirop ou un spray pouvait me qualifier de dopée. Donc, je me suis passionnée par l'aromathérapie et puis les argiles. J'ai eu beaucoup de blessures au genou, vous imaginez bien. Donc, je me suis vraiment fait chaque rééducation dans des centres naturels en Turquie, par exemple. Oui, je peux vous parler de ces bains d'argile extraordinaires où j'ai pu récupérer très rapidement. Voilà, donc j'ai tout de suite été convaincue de l'efficacité du naturel et ça a été ma passion depuis que j'ai 15 ans. Je faisais également mon huile de massage avec l'arnica des montagnes, je me faisais avec le millepertuis, donc mes huiles végétales pour me masser. Oui, voilà, en fait, c'est une passion que j'ai depuis longtemps. D'accord. Et d'où est venu votre intérêt pour les cosmétiques ? Alors voilà, je me suis intéressée aux soins naturels pour me soigner la peau aussi, qui était très exposée aux éléments extrêmes. Donc, je suis devenue de plus en plus intolérante. Et lorsque j'ai vu le nombre d'allergies sur moi et autour de moi exploser, c'était une mission en fait. Je me suis tout de suite passionnée en faisant des ateliers de cosmétique do it yourself, en fait, de la cosmétique sur mesure, où j'ai appris d'abord pour moi à me faire mes crèmes sans conservateur. Et puis, j'ai été soulagée. Donc, je l'ai tout de suite proposé à mes enfants, à ma famille, mes amis. Et puis, j'ai fait finalement 10 années d'ateliers dans ma petite boutique à Talloire, au bord du lac d'Annecy. 10 années de cours de formulation sur mesure comme ça avec, en fait c'était de la cuisine, hein. Je ne suis pas chimiste mais juste passionnée de mettre des vrais ingrédients naturels haut de gamme et tout de suite voir des peaux soulagées, des peaux agressées, tiraillées qui étaient enfin soulagées et là on pouvait vraiment parler de bien-être. Et comment vous avez fait pour passer justement du DIY à la création d'une marque cosmétique ? Parce que ce n'est pas votre métier à la base. Effectivement, non du tout. Donc, le fait de développer cette passion pour soigner mes proches, d'apporter le meilleur alors qu'une industrie cosmétique aujourd'hui est plastifiée, siliconée, tout l'opposé est proposé en fait. Donc, mon métier, ou plutôt ma force, en fait, c'était la performance. J'ai développé toujours ces
les valeurs de la compétition, hein, qui est l'excellence, la persévérance. Et en fait, me confronter en tant que start-upeuse indépendante, hein, dans l'un des secteurs mondial le plus riche, on va dire que l'industrie de la cosmétique, c'est quand même un géant. Je pense que mon métier, c'était très simple, c'était une prise totale de risque, en fait, et de pouvoir vraiment proposer un rapport qualité-prix irréprochable. Donc, effectivement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le plus dur aujourd'hui pour une chimiste, c'est pas de faire une émulsion. On sait tous qu'une émulsion, c'est 60% d'eau, un émulsifiant, des actifs. Ça, c'est simple. Mais le plus dur, c'est de rendre stable des molécules bio vivantes, hein, pour 5 années de conservation. Oui, ça, c'est difficile et on a besoin d'un certificat d'études de chimiste. Ça, je tire mon chapeau. Mais finalement, moi, c'était tout l'opposé que j'avais envie de faire. C'était d'apporter une qualité sans compromis, avec 100% d'ingrédients naturels, hein, d'aller au-delà des labels où on nous demande 95%, chose qui est déjà très bien. Hein. Je trouve que les labels français, tous les gros labels reconnus mondialement sont extraordinaires. Je les ai, mais j'ai voulu aller au-delà. Donc, voilà, apporter sans compromis, 100% naturel, sans conservateur, et puis finalement sans contrainte de prix, puisque j'ai choisi un business model de distribution en circuit court. D'accord. Voilà un peu mon métier. Ok. Et alors, comment vous impliquez dans les formules? Vous avez un cahier des charges précis? Oui, tout à fait. Donc, je me suis impliquée à 100% dans la R&D parce que j'ai apporté mon cahier des charges avec lequel je travaillais depuis 10 années, finalement. Je m'étais fait une étude de marché naturellement avec toutes mes clientes. Vous vous rendez compte, j'ai dû faire, je ne sais pas, 300 crèmes différentes. À force d'écouter mes clientes, d'écouter les choix des parfums qu'elles faisaient, de voir les textures qu'elles préféraient, leur routine. Finalement, j'ai écouté des femmes sans savoir que j'allais créer une gamme. Hein, mais le fait de les écouter, ça m'a donné envie parce que j'ai compris ce qu'elles attendaient le plus d'une gamme cosmétique. Donc, ça a été vraiment un engagement total pour des formules courtes, du coup, avec des ingrédients 100% naturels, je l'ai déjà dit, mais surtout bio, et puis la fraîcheur. Voilà, ça, c'est aussi ma force, c'est de proposer des petites séries limitées. À chaque saison, je reproduis, donc pour garantir l'efficacité de mes actifs. Donc ça, je n'en ai pas encore parlé, mais vraiment, le plus important pour moi, c'est de fabriquer rapidement, régulièrement pour conserver le moins longtemps possible les produits. Donc, la fraîcheur, je trouve ça intéressant. C'est pour ça qu'on s'appelle Snow aussi, c'est la fraîcheur. Mais voilà, je pense que la fraîcheur, c'est ma vraie valeur ajoutée puisque finalement, je ne vais pas aller chercher des prix ou des profits ou des marges mirobolantes. Moi, ma motivation, c'est d'apporter une qualité. Et donc, tant pis pour le prix, j'allais vous dire. On ne peut pas tout savoir. Et non, on ne peut pas tout avoir, c'est vrai. Et pour la formulation, vous travaillez avec des entreprises françaises, plutôt locales? Oui, tout à fait. Après avoir choisi entre une dizaine de laboratoires, j'en ai choisi un, ce qui est finalement le pionnier en France de la cosmétique naturelle à 100%. Donc, dans le Lot-et-Garonne, pour tout vous dire, voilà, un laboratoire tranquille. J'aurais aimé trouver quelqu'un proche dans le Rhône-Alpes, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé un labo extraordinaire qui est mon partenaire depuis 4 ans maintenant. D'accord. Et d'où viennent les ingrédients de Snow? Je crois que certains viennent de Scandinavie. Quelle est leur particularité? Oui, tout à fait. J'ai voulu vraiment rester sur l'Europe. Hein. Les montagnes, en fait, c'est mon domaine. Et j'ai tout de suite vu, de par les actifs de montagne, qu'ils étaient plus riches. En fait, c'est évident lorsque l'on s'aperçoit qu'une Edelweiss, par exemple, qui évolue dans un terrain hostile, dans les tempêtes, dans le froid, en altitude, en fait, toutes les plantes de montagne développent un ADN beaucoup plus puissant, beaucoup plus antioxydant que les fleurs de plaine. Donc, en fait, ça, moi, je suis un petit peu une fleur des montagnes parce que j'aime la montagne et je vois la puissance qu'il y a même dans l'immortelle Corse. On voit bien qu'elle évolue dans des terrains extrêmes. Donc, voilà, toutes ces fleurs extraordinaires qui évoluent
pas seulement en France, mais c'est vrai que je me suis arrêtée à l'Europe pour éviter d'aller chercher des huiles exotiques à l'autre bout du monde. Voilà, j'ai vraiment fait ce choix d'huiles précieuses qui sont encore plus rares, encore plus chères, mais je les ai choisies parce qu'elles sont surtout riches en oméga 3, parce que voilà, qu'elles évoluent dans un terrain très hostile, elles développent des anti-inflammatoires naturels. Je ne sais pas si j'ai le droit d'appeler ça comme ça. Mais oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà pourquoi mon choix des fleurs de Scandinavie et puis surtout des huiles végétales très précieuses dans le sens où c'est le grain du végétal qui est très petit. Je ne suis pas allée chercher une huile d'abricot ou de prune, mais plutôt des pépins très fins comme le pépin de framboise. Vous imaginez la taille de presser à froid un pépin de framboise ou un pépin de rose, hein, la rose de Scandinavie qui évolue le long des océans. Donc, voilà, une qualité d'huile végétale extraordinaire. Et ce sont des plantes, enfin, des végétaux qui sont récoltés de façon sauvage ou comment ça se passe ? Alors, sauvage, peut-être pas, mais surtout contrôlé au niveau du fait qu'il n'y ait pas du tout de pesticides. Donc, effectivement, elles proviennent du Danemark et de Finlande. Donc là, j'ai trouvé des producteurs, c'est pas sauvage parce qu'effectivement, je pense pas qu'ils puissent le faire, aller se promener comme ça, une heure par-ci, une heure par-là, mais en tout cas, qui me garantit une culture biologique et c'est ça qui compte pour moi. D'accord. Et il n'y avait pas d'équivalent en France ? Alors, eh bien, oui et non. C'est vrai que je suis très attirée par la culture suédoise, parce que vous avez vu, j'ai un nom très bizarre, Sjöström, c'est mon mari, qui est donc suédois et qui m'aide dans tout ce développement, qui a cru en moi. Mais surtout, sa culture, et avec sa famille, qui me disait, sa grand-mère qui me disait, mais tu sais, Raphaël, nous, en Suède, dans les pays froids, on ne met pas de crème, on met des huiles. Tout simplement parce que dans une crème, il y a de l'eau et les petits vaisseaux à la surface de la peau vont geler au contact de l'eau. Mm. Donc, on ne mettait que des huiles. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je me suis vraiment rapprochée également de la culture scandinave avec leur façon de se protéger la peau du froid. Parce qu'effectivement, la couche cornée, c'est une couche lipidique et elle a besoin d'être protégée comme un bouclier. Donc, vous verrez, je vous expliquerai ma routine qui est très simple. Hein, c'est une petite gamme. Alors, justement, racontez-nous, parlez-nous de la gamme Snow Eternel. Voilà, donc ce sont des essentiels. Il n'y en a que 5 pour tout type de peau. Donc, j'ai choisi sans huile essentielle puisque on essaye d'éviter tous les allergènes possibles alors que j'adore les huiles essentielles. Hein. Je me soigne, j'en rajoute. Mais là, j'ai voulu vraiment proposer des essentiels pour les peaux sensibles. Donc, c'est tout simplement un soin nettoyant pour commencer. Donc, un savon ancestral, saponification à froid comme on les aime, enrichi sur gras. Avec de la mauve des Alpes, la mauve est une fleur très émolliente, avec de l'argile rose, avec évidemment une huile exotique, ça c'est l'exception qui confirme la règle, l'huile de coco, sinon j'avais un savon qui ne moussait pas, mais effectivement avec donc ce premier soin qui se complète aussi pour un double nettoyage si l'on a envie avec mon baume miraculeux, donc le baume lui qui est aussi le végétal nordique, qui est fondant, qui est vegan, qui est extraordinaire parce qu'on peut tout faire avec. C'est un 4 en 1. Donc, on se démaquille les yeux, on se répare les lèvres, on fait une cold cream, on se fait un masque apaisant. Voilà, donc c'est un produit multi-usage qui est très doux, même pour les enfants. Donc, ça, c'est le deuxième soin. Le troisième, une fois qu'on a la peau nette, on peut s'hydrater la peau parce qu'en fait, c'est une routine très simple, un duo d'un sérum hydratant et d'une huile protectrice régénérante. Donc, on met d'abord crème source, qui est à l'acide hyaluronique végétal, et puis ensuite, on protège la peau par ce bouclier d'huile végétale nordique, donc mes 4 huiles précieuses. Et puis, voilà. Après, mon cinquième produit, c'est tout simplement mon huile de massage fétiche avec laquelle je ne peux pas partir le week-end parce qu'on court, on saute, on se fait mal. Donc, une huile chauffante pour se réchauffer les muscles, pour justement alléger les jambes lourdes, une huile micro-circulatoire qui, elle, par contre, a des huiles essentielles. Pour le corps, oui. D'accord. Voilà, donc Immortelle,
égolterie, une huile de massage qui est proposée d'ailleurs dans tous les spas revendeurs dans lesquels je travaille dans les Alpes. C'est un peu ma force également de pouvoir entrer dans les instituts et les spas grâce à mon protocole de massage sportif qu'on a mis au point avec mon ostéopathe. Donc là, oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de massage par une sportive, une ancienne championne du monde. Oui, bah oui, parce qu'en fait, à part dans quelques spas, Snow n'est disponible que sur le site de la marque. C'était un choix ou ça s'est imposé à vous ? Oui, c'est vrai que tout s'est fait un peu naturellement. Je reste très locale, hein. Je ne suis pas sortie de la Haute-Savoie et de la Savoie encore, à part chez vous, chez Merci à Paris, qui était hyper généreux avec moi et qui ont beaucoup aimé. Je suis finalement dans des maisons très niches, des instituts de beauté et des petits concept stores qui aiment le fait que les choses soient simples et essentielles. Donc oui, c'est vrai que je développe surtout la vente directe. Je n'ai pas une équipe commerciale, je travaille seule avec mon mari. Et voilà. Oui, parce que c'est la particularité de Snow Eternel, c'est aussi que c'est une histoire familiale. Racontez-nous. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une toute petite structure. C'est très drôle quand on m'appelle. Bonjour, est-ce que je pourrais parler au service marketing ? Alors, du coup, je change de voix. Enfin, voilà, non, on est vraiment on est une toute petite équipe. Et mon mari m'aide sur le côté visuel. C'est un artiste, c'est un photographe. Mon fils de 21 ans me fait un peu tout ce qui est influenceur vidéo pour les réseaux sociaux. Ma fille coud les petites lingettes démaquillantes. Et puis mon autre petite fille, non, elle fait rien. Mais voilà, on est. Elle est trop jeune pour travailler. Et quand même pas faire de l'esclavage d'enfants. C'est ça. Voilà, voilà. Et alors, on n'a pas parlé des packaging. Oui, je me suis fait plaisir, effectivement, avec ce qu'il y avait de plus précieux, c'est-à-dire des packs en verre et des capots en bois. C'est vrai que c'était tellement évident pour moi d'éviter le plastique. On sait tous aujourd'hui que le plastique, c'est notre ennemi, qu'on n'arrive plus à le recycler. Hein. Je discutais avec le PDG des déchetteries en Haute-Savoie et en Savoie qui me dit, mais après, nous, on n'arrive même plus à vendre nos tonnes de plastique, les gens ne les veulent plus, ouais. On ne sait plus où les mettre. Donc, voilà, tout simplement. Et puis, l'ADN de Snow, c'était aussi à la base de proposer aux hôtels, hein, mes clients, des formules non polluantes au niveau du savon, au niveau du pack. Donc, au moins, on les recycle. Je ne peux pas encore les consigner, j'aurais aimé, mais c'est encore trop compliqué au niveau des frais postaux. Le fait de les stériliser, ça consomme beaucoup trop d'eau. Donc, le plus simple, c'est déjà de les recycler ou de les garder. Moi, je vous propose d'ailleurs, je propose à mes clients de garder les capots en bois pour poser mon cher petit savon et qu'il sèche et qu'il soit beau. Et alors, quelle est la prochaine étape pour Snow ? Oui, alors je dirais continuer tranquillement, ne pas agrandir la gamme, mais surtout de développer... un vrai partenariat avec mes ambassadrices, en fait, mes Snow Angels, que j'appelle mes Snow Angels, qui sont finalement mes meilleures clientes, des passionnées. J'ai une championne de ski qui m'achète les produits. J'ai des amies extraordinaires qui sont des créatrices dans d'autres domaines et qui me soutiennent. Et j'aimerais beaucoup continuer à développer ce partenariat vrai et authentique avec mes meilleures clientes. Et pourquoi le nom Snow Eternel ? Ah oui, bah le nom, c'est vrai que c'est joli, hein, n'est-ce pas, Snow ? Ouais. Ça évoque la pureté, en fait. Ça veut dire neige en suédois. Donc, la pureté de la neige, de la fraîcheur. L'éternel, c'est un petit clin d'œil à l'éternel parce que je suis une croyante. Je m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de temps de méditation et je reçois beaucoup de choses le matin très tôt dans mes temps personnels avec l'éternel. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous, Chantal. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr.
Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.